Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 22 mai 2022. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sissi a inauguré le projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole. Ce projet vise à maximiser les opportunités de production, à fournir aux citoyens les produits agricoles de haute qualité à des prix abordables, à combler le fossé entre la production et l'importation et à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matière de premières premiers produits stratégiques. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte rendu. Abdel Fattah el-Sissi a assisté à l'inauguration du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole, qui est l'un des plus importants projets nationaux majeurs lancés par l'État. Le projet est situé sur la route Le Caire-Dabin et vise à maximiser les opportunités de production, à fournir des produits agricoles de haute qualité à des prix raisonnables pour les citoyens, à combler le fossé entre la production et l'importation, à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en produits stratégiques. Le chef de l'État a affirmé la nécessité d'achever les étapes du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole avant la fin de l'année prochaine au lieu de l'an 2024, soulignant la nécessité d'achever le projet le plus tôt possible à la lumière des conditions mondiales actuelles. Le président El-Sissi a dirigé la formation d'un comité formé par le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation et le gouvernorat de Matrouh pour travailler à surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs dans le secteur agricole. Le président El-Sissi a indiqué que toutes les infrastructures nécessaires au service de l'électricité ont été fournies. Le président El-Sissi a d'autre part indiqué que ce qui a été accompli en termes d'infrastructures globales dans le cadre du projet depuis sa création a pris des centaines d'années à mettre en œuvre dans l'ancien Delta. Et le Premier ministre et président du Haut Comité pour le changement climatique, Dr Mustapha Madbouly, a lancé la stratégie nationale pour le changement climatique en Égypte 2050. Ceci a eu lieu lors de la célébration organisée par le ministère de l'Environnement en présence de plusieurs ministres, ministres égyptiens, de responsables onusiens, d'ambassadeurs et de représentants de missions et organisations internationales. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre et président du Conseil national pour le changement climatique, Mostafa Madbouly, a affirmé que l'Égypte ne ménagerait aucun effort pour mettre en œuvre, d'une façon rapide et tangible, des engagements et promesses annoncés de la part du pays, et ce, lors de sa présidence de la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur les changements climatiques, la COP27, prévue en novembre prochain. Ces propos ont été tenus par Madbouly en lançant la stratégie nationale pour les changements climatiques en Égypte 2050, en présence de plusieurs ministres égyptiens, des responsables onusiens, des ambassadeurs et des représentants de missions et organisations internationales. Dans un communiqué publié par le service d'information du gouvernement, Madbouly a indiqué que le dossier climatique, qui était prioritaire pour l'Égypte et de par le monde en raison des menaces du changement climatique sur le développement durable, qui affecte sur les plans de développement, de sécurité alimentaire et la disponibilité de l'eau. Et nous enchaînons avec cette information. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a déclaré que la stratégie nationale sur le changement climatique aide à placer la bonne qualité de vie du citoyen égyptien en priorité, ce qui va de pair avec le premier objectif de la stratégie du développement durable de l'Égypte. Dans une allocution prononcée hier lors du lancement de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, Madame Fouad a indiqué que la vision de la stratégie visait à garantir la protection des citoyens contre les effets du changement climatique. La stratégie nationale sur le changement climatique a comme vision de lutter efficacement contre les effets et les répercussions du changement climatique, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie du citoyen, à réaliser un développement et une croissance économique durable et à préserver les ressources naturelles et les écosystèmes tout en renforçant le leadership de l'Égypte à l'échelle internationale dans ce domaine, a-t-elle déclaré.
Madame la ministre, dans son allocution lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Environnement à l'occasion du lancement de la dite stratégie 2050. Et le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a déclaré que les revenus du canal de Suez pourraient atteindre 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année fiscale courante. Le canal de Suez, qui est la voie de navigation la plus rapide entre l'Europe et l'Asie, est une des principales ressources de devises étrangères de l'Égypte. Le ministre a ajouté que les revenus du secteur du tourisme pourraient également s'élever de 10 à 12 milliards de dollars en dépit de la guerre russo-ukrainienne. Pour rappel, l'année fiscale en Égypte s'étend du 1er juillet jusqu'au 30 juin. Et en application aux directives du président de la République Abdel Fattah el-Sissi, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a affirmé que le gouvernement travaille à travers un plan de relance diversifié pour une reprise économique rapide des répercussions de la crise mondiale actuelle. Au cours des réunions séparées avec un nombre de représentants de certaines banques, lors de sa participation aux travaux de la délégation commerciale BEBA à Londres, Dr Maït a souligné qu'il est prévu que les revenus du canal de Suez approcheront de 7 milliards d'ici la fin de l'exercice en cours et que les revenus du tourisme approcheront les 12 milliards d'ici la fin de l'exercice en cours, malgré la crise ukrainienne. Le ministre des Finances a également ajouté qu'il y a de grands efforts pour encourager l'investissement et maximiser la production locale. Et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El Moula, a tenu une réunion avec une délégation de responsables de la Société d'énergie internationale, Tanqib. La réunion a été axée sur le suivi de l'avancement des nouveaux projets et de raffinement pétrolier en Alexandrie et à Assyut. Au cours de la réunion, le ministre du Pétrole a examiné avec les responsables de la société Tanqib les étapes de la mise en exécution du projet de la raffinerie de Maïdour à Alexandrie et du complexe ANPEC pour la production du solar en Assyut, du gasoil à Assyut. Monsieur El Moula a mis l'accent sur l'importance d'intensifier les efforts pour respecter les délais de l'exécution de ces deux projets qui constituent une importance majeure dans la rationalisation de l'importation des produits pétroliers. Et suivant les directives du président de la République, le ministère de l'Intérieur a décidé de poursuivre les activités des centres d'approvisionnement Aman relevant du ministère jusqu'à la fin de l'année. Ces centres fournissent des produits de première nécessité aux citoyens à des prix abordables. Le ministère de l'Intérieur a décidé également de coordonner avec les chaînes commerciales dans le cadre de l'initiative Kulluna Wahed ou Tous Unis jusqu'au 1er juin. انا لما باجي اتكلم وعلق ببقى الهدف ان انا اشاور للناس وللاعلام على القضايا اللي ان هم ينتبهوا ويتكلموا معانا فيها. الريف المصري هيسمع في القطاع الصحي ازاي؟ لما انا اخش على كل الترع اللي موجوده واعمل لها تبطين، يا ترى يزود حجم الاصابه المحتمله للامراض اللي بتيجي من ده ولا لا؟ لما انا اعمل الصرف الصحي في خلال 3 سنين اللي بتمنى ان احنا نقدر نعمل كده، ويا رب يعيننا على كده. الصرف ده ما بيترميش في اي حته. يا ترى بقى تاثير ده على المصارف بتاعتنا هيبقى عامل ازاي؟ وتاثيره على الصحه العامه يا دكتوره هيبقى عامل طبعا. ازاي؟ احنا عاملين حسابنا في حاجه واحده بس. ايه يا دكتور مصطفى؟ التمويل.
اللي هو كان عبء الاعباء على اي حكومه انها تحل مساله. هنجيب فلوس منين؟ لكن اللي انا مش قادر اعمل له حساب هو الشكل اللي موجود فيه حال البناء والتخطيط العمراني اللي موجود في الريف. احنا جادين في مواجهة تحدياتنا. دورنا كحكومة ودورنا كمؤسسات ودورنا كمجتمع مدني ان احنا ناخد بايد الناس في مصر لمستوى افضل. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا ان احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الاكثر فقرا على الاطلاق في بلدنا مصر ونغيرها تماما. ما يبقاش في بيت نسيبه، ما يبقاش في طريق نسيبه، ما يبقاش في صرف صحي ولا مية شرب لما ندخلها. لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تبقى دولة تانية بما فيها القرى اللي احنا شغالين عليها. حياة كريمة يعني المواطن البسيط الغلبان اللي هو بيجيب قوت يومه يوم بيوم، عاوز يحس ان هو عايش عيشة أدمية. حياة كريمة دي يعني أحسن حاجة عملوها لنا بصراحة، يعني احنا كنا في حاجة وحشة خالص. يعني حياة كريمة بتسمع الناس والأطفال قبل الناس الكبيرة. كلمة حياة كريمة المواطن ممكن بصيرها لشخصه، ولكن الترفيه بالبنية التحتية مع حياة كريمة أفضل أفضل أفضل. المواطن البسيط العادي الغلبان اللي معه 3-4 عيال حس بالنمو وحس إن حياة كريمة إن فتحت المشاريع. المشروع اللي أنا شغال فيه تبع مبادرة حياة كريمة والحمد لله وفرت لنا شغل انا والجميع من الناس، يعني كنا انا في حاله عدم وجود فرصه عمل. صراحه من وقت ما بنوا لنا البيت واحنا بقينا في حاله ثانيه، ما كناش اصلا نحلم بربع كده. يعني صراحه عم تخش على الواقع تشوف البيت عاوز يصب تصبه، عايز يتبني بتبنيه. لما نشوف المحتاج ابتسم لينا دعا لينا شكرنا، في ناس بتعيط من الفرحه، فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي. يعني مش محتاجين حاجه بعدها والله، ولا فلوس ولا اي حاجه، احنا نازلين للناس دي، نازلين عشان خاطر السعاده بتاعتهم. المجتمع كله هينهض ازاي لما كلنا نكون كويسين؟ المجتمع مش فرد واحد، مجموعه افراد، فلو كلنا عايشين حياة كريمة فهيبقى المجتمع كله. مصر دي إن شاء الله محفوظة، ومحفوظة من زمان السنين. Et de retour, chers téléspectateurs, concernant notre premier compte rendu, le président Abdel Fattah Sissi a inauguré hier le projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole. Ce projet vise à maximiser les opportunités de production, à fournir aux citoyens des produits agricoles de haute qualité à des prix abordables, à combler le fossé entre la production et l'importation et à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matière première en Égypte. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrin Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour Dr Nesrin. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Alors, concernant ce grand projet, ce méga projet qu'est l'avenir de l'Égypte, ou Moustab al-Masr, hier inauguré par le président de la République, comment le voyez-vous? Alors en fait, il faut dire que ce projet hier, un méga projet vraiment très prometteux qui montre que l'Égypte avance à pas sûrs vers l'autosuffisance, ce que d'ailleurs le président de la République a annoncé hier,
peu importe le prix, puisque le coût même de la, de ce travail-là est très cher, le travail de bonification des terres, mais il faut reconnaître que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est vraiment très important, très intéressant, et permet d'avancer sur le plan, que ce soit de l'industrie, du secteur privé, puisque hier aussi, le président Abdel Fattah el-Sissi a assuré que le secteur privé joue un rôle important et qu'il peut assumer davantage ce rôle, et aussi, je dirais, sur le plan de l'agriculture. Oui. Il me semble que nous avons perdu notre invité, chers téléspectateurs, au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier de votre attention. Merci à vous. Et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire, à la même heure. Au revoir.